never forget you. I will always be by my side. Attendez, c'est mon bout. They are die. Ok. They are die. Ok. Hello, hello, mes petits chats. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai filmé, c'est une routine du matin, ma routine du matin. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo-là. Je pense qu'elle était vraiment attendue sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et me mettre un petit j'aime si vous aimez ce genre de vidéo-là. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait pour rester à l'affût de mes nouvelles vidéos. On va commencer maintenant pour pas que ça soit trop long. Donc je vous laisse aller visionner la vidéo. Bon matin! C'est le temps de se lever et c'est toujours très dur pour moi. Je vais toujours prendre un peu de temps à me lever. Je mets toujours mon alarme vers 8h30, 9h pour quand même me lever tôt. Comme vous voyez, c'est vraiment dur. Ça me prend une couple de temps. Je vais bien m'étirer parce que c'est vraiment difficile. Je mets mes lunettes bien évidemment. Puis je vais prendre le temps un peu de coller un de mes chats. Donc cette fois-ci, c'était Gizmo qui était avec moi. Charlot, il a fait son indépendant. Et je passe un petit peu de moment avec Gizmo. Le matin, j'ai vraiment besoin de soleil. Ou sinon, je me réveille pas. C'est toujours difficile au début, mais ça m'aide à me réveiller. Ensuite, je vais prendre un petit peu de temps sur mes réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je niaise dans mon lit, je regarde mes réseaux sociaux. Je vais aller faire un tour sur Instagram pour voir ce que j'ai manqué pendant la nuit. Et j'aime vraiment liker toutes les photos que je vois. Là, ça me donne beaucoup d'inspiration pour mes vidéos et tout. J'aime beaucoup regarder mon Instagram le matin. Vous pouvez me suivre en passant sur mon Instagram. C'est vraiment une de mes activités favorites le matin, de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut se lever. Donc je vais m'étirer et let's go, c'est parti! Donc je vais mettre mes pantoufles pour bien me sentir confortable et je vais aller mettre ma robe de chambre. Pour être encore une fois très confortable parce que c'est dur le matin de se lever. Je vais aller à la cuisine puis je vais me faire à déjeuner. Ce matin-là, je me suis fait seulement des bagels au raisin avec un peu de Philadelphia, désolée. Puis je me suis pris un verre de lait à boire, mais habituellement je me fais un thé, mais ce matin-là, j'avais juste envie un peu de lait. Donc je vais venir m'installer dans mon lit. Et je vais aller regarder un petit peu les vidéos sur YouTube. J'aime vraiment faire ça le matin en déjeunant. Soit que je vais regarder des vidéos ou je vais éditer mes vidéos, mais ce matin-là, je regardais des vidéos. Ensuite, je vais venir faire mon lit. C'est vraiment une étape importante pour moi parce que sinon, je me sens pas ordonnée et j'ai envie de rien faire. Donc, c'est très important pour moi de faire mon lit. On sent toujours mieux quand le lit est fait. Je vous le dis. Ensuite, je vais venir laver mon visage parce que c'est vraiment pour moi une étape super importante le matin pour me réveiller. Donc je vais venir utiliser ma mousse nettoyante de Vichy pour peau sensible. Je l'adore pour de vrai, c'est vraiment une de mes étapes préférées le matin pour me réveiller. Ça m'aide vraiment à me sentir fraîche et encore une fois très réveillée. Donc, je vais venir essuyer mon visage ensuite et après, je vais mettre mon eau thermale de Uria. Je l'adore pour de vrai. C'est un gros coup de cœur que j'ai. C'est vraiment super pour se réveiller aussi. Ensuite, je vais venir faire mes cheveux. Puis là, je m'étais fait des tresses donc que j'avais faites le jour d'avant. Donc, je suis juste venue un peu mettre de spray net et voilà, mes cheveux sont faits.
Ensuite, je vais venir me maquiller. Donc, je vais utiliser mon primer pour le visage Moringa Magique de Lush. Je l'aime beaucoup pour venir vraiment matifier la peau. Là, c'est vraiment super. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint de Tarte qui est fait avec de l'argile amazonienne qui couvre super bien la peau et qui reste toute la journée. Je vais venir le mettre sur mon visage avec mon Beauty Blender. Ensuite, je vais mettre un peu de concealer du portfolio de Lise Wattier en dessous de mes yeux pour vraiment enlever toutes les cernes et mon air fatigué. Encore une fois, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender et ensuite, je viens tout fixer ça avec ma poudre de Maybelline Fit Me. Et ensuite, pour les sourcils, je prends mon fameux mascara coloré pour les sourcils de NYX. C'est vraiment un de mes produits préférés pour les sourcils. Et ensuite, je vais venir juste corriger mes sourcils avec le Pro Pencil de Anastasia Beverly Hills. Je vais venir juste passer en dessous de mon sourcil pour définir mon sourcil justement. Ensuite, je vais utiliser mon blush de Too Faced, c'est le Sweetheart, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime, c'est ses paillettes à l'intérieur qui donnent un effet vraiment d'highlight, donc t'as comme le blush et le highlight en même temps, c'est vraiment super. Et je viens fixer ça avec ma poudre, et ensuite c'est le temps du rouge à lèvres, je mets le Ultra Lip Color HD de Revlon dans la teinte Séduction. Je l'aime beaucoup puis il sent super bon. Et voilà pour mon maquillage! Et ensuite, pour mon outfit, vu que cette journée-là, il faisait pas mal chaud, j'ai mis mon crop top de chez Forever 21, ma jupe du H&M, et j'avais une petite sacoche du Forever 21 aussi. Donc et voilà pour ma routine du matin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!